Bonsoir amis téléspectateurs, nous sommes à Paris au cœur du 16e arrondissement à la rue de la Faisanderie. Nous allons rentrer pour rencontrer l'ambassadeur de Guinée en France qui va essayer de nous parler de la femme puisqu'on a toujours dit que derrière les hommes il y a toujours les femmes. Alors monsieur l'ambassadeur, nous allons nous tirer un peu de mots sur les femmes. Suivez-nous. Je suis à Paris pour votre émission Univers de femmes, univers de femmes qui va bientôt célébrer la femme. Nous sommes avec son excellence, l'ambassadeur de Guinée en France. Il s'appelle Monsieur Amara Camara. La journée internationale de la femme, son excellence, pour vous c'est quoi? Pour moi c'est tous les jours, pas que le 8 mars. C'est une date symbolique, mais la femme doit être célébrée tous les jours. On célèbre sa fille, on célèbre sa soeur, on célèbre sa mère, on célèbre sa femme. Et c'est le berceau de l'homme. Et à ce titre, on doit la magnifier. Et dans le même temps, on doit aussi dire ses responsabilités, les fixer. On ne peut pas avoir plus de la moitié de la population en dehors du processus de développement, en dehors de l'organisation sociale et politique d'une nation. Donc le rôle actif de la femme est indispensable au processus de développement. Nous avons la chance d'être dans un pays, la Guinée, où l'émancipation de la femme n'a pas commencé avec l'indépendance. La lutte de l'indépendance de la Guinée, la réussite est essentiellement due à la lutte des femmes. On a toujours dit, son excellence, que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Raison pour laquelle nous sommes là. Est-ce que vous partagez la même idée? Je préférerais marcher main dans la main plutôt que d'être devant ou derrière. C'est mieux de marcher ensemble, regarder vers le même horizon, faire des choses. Je pense qu'on a voulu dire par là, c'est que, vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, la première femme a un rôle capital parce qu'elle co-gère en réalité la famille avec le mari. Toutes les grandes décisions sont prises ensemble. C'est pour ça qu'on dit que chaque fois que vous entendez un homme en public parler en disant « je », il oublie de dire que ma femme m'a dit de dire que. Parce que tout ce qu'il dit, c'était en concertation avec sa femme. Mais là où je suis devant ou derrière ou à côté, là où je rends ma femme responsable, ce sont nos mamans, c'est vous qui faites des garçons, des princes. Ils ne lavent pas, ils ne balayent pas, on les sert à manger. Tous les travaux domestiques sont laissés à vos filles, par vous-même. J'ai vécu ici, je vis ici depuis longtemps. Quand j'ai reçu ma petite soeur pour la première fois, j'ai fait la vaisselle. Quand elle m'a vu faire la vaisselle, elle a pleuré. Parce qu'elle considérait qu'un homme ne doit pas. C'est pas normal pour elle. Absolument. Et je lui ai répondu, je suis ici avec ma compagne, elle travaille comme moi, elle fait la cuisine. Le minimum que je peux faire, c'est faire la vaisselle, c'est de partager le travail, c'est vous dire, être ni devant ni derrière, mais être ensemble. Pour faire et la famille et notre vie et vivre notre société. Et le message que vous allez donner par rapport à la célébration de la femme, comment elle doit se comporter? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme? Ce que je veux dire à la femme, je cherche partout des patriotes. Nous sommes d'un pays sous-développé, en voie de développement. Chaque citoyenne a un rôle à jouer. Que la femme joue pleinement son rôle, ça ne sera ni dans les mamayas, ni dans les baptêmes et autres, mais tous les jours au quotidien, dans les champs, dans les marchés, au bureau, se sentir responsable de la gestion du pays, au même titre qu'un homme. Ce n'est pas une question d'équité, c'est une question de tout faire ensemble, considérer qu'on n'a aucun handicap, qu'une femme est un être humain qui est égal à l'homme sur tous les plans. Vous savez, j'ai fait l'université ici, quand j'ai commencé l'université, il y avait 25% de femmes à la sortie au niveau de Russie. Maintenant, c'est 75% de femmes par rapport. Elles donnent les pions aux hommes. Ouais.
C'est parce qu'on leur a donné les moyens, parce qu'elles se sont donné les moyens de s'en sortir. Nos sœurs doivent se donner les moyens de s'en sortir pour qu'on sorte la Guinée de cet état-là, que chacun de nous contribue, qu'elle se comporte en citoyen, en patriote, pour aider, pour contribuer, pour participer à l'édification d'une nation prospère et à l'éducation de nos enfants, bien sûr, mais dans l'égalité. Nous sommes toujours dans les locaux de l'ambassade de Guinée en France. Cette fois-ci, c'est avec Madame Doumbouya Mariam Diallo, l'attachée financière et consulaire à l'ambassade de Guinée en France, toujours à la 50e rue de la Faisandéré. Alors, Madame, c'est l'émission Univers de Femmes que vous avez devant vous aujourd'hui. Vous pouvez nous parler de la fête des femmes. Pourquoi on célèbre les femmes? Est-ce qu'il est nécessaire de célébrer la femme? Je dirais que c'est nécessaire de fêter cette fête internationale de la femme. Je pense que c'est le lieu de dénoncer toute la discrimination faite aux femmes, aussi pour bannir, n'est-ce pas, aux violences, n'est-ce pas, faites aux femmes. Je pense qu'il est nécessaire de fêter pour mettre fin à cette situation dramatique qui se passe notamment dans notre pays et en général dans tous les pays du monde entier. Général dans tous les pays du monde entier, comme tu le dis. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez un message à lancer aux femmes ou bien un conseil à donner? Voilà, par rapport à ça, je vais lancer un appel solennel à toutes les femmes guinéennes de se donner la main, de travailler surtout, de ne pas se laisser faire femme pour travailler comme un homme. Pourquoi pas plus qu'un homme? Parce qu'une femme, si tu ne travailles pas, tu n'as aucune considération, tu es toujours méprisée et, n'est-ce pas, rejetée par tout le monde. Et tu as une mauvaise vue de tout le monde. Tu n'es pas vraiment appréciable. Je pense que c'est le travail qui fait la valeur de l'homme. Les femmes aussi doivent se donner la main pour ne pas aussi se laisser se livrer à des trucs qui ne sont pas, n'est-ce pas, appréciés. Alors je pense qu'il faut bannir à cette situation, se donner de la valeur. La femme doit travailler, on se donne la main pour le bienfait de la société. C'est Madame Doumbouya Mariam qui le dit à l'ambassade de Guinée en France. Merci Mariam. Merci. Quant à nous, nous sortons, nous allons dans la rue pour rencontrer d'autres femmes pour votre émission Univers de Femmes qui est consacrée ce soir au 8 mars qui sera célébré le 30 mars.